Comment le cinéma devient-il ethnographique? Teng présente La traversée documentaire, épisode 6, le cinéma ethnographique. On pourrait dire qu'un film ethnographique observe une pratique au sein d'un groupe de personnes au moyen d'une caméra. Dès son origine, le cinéma a été un outil permettant d'explorer le monde et la manière dont les gens l'habitent. À partir des années 20, les films de Robert Flaherty, considéré comme l'un des premiers documentaristes, cherchent à appréhender les modes de vie de populations éloignées. Par exemple avec Nanook of the North, qui montre la vie d'une famille inuite. Mais les films ethnographiques ne se réduisent pas à la découverte de peuples lointains, et de nombreux cinéastes ont documenté leur propre société. À partir des années 50, en particulier avec Jean Rouch, le cinéma ethnographique se structure comme discipline et touche de grandes questions du cinéma documentaire, sa valeur scientifique et son rapport au réel. C'est un vaste genre dont nous ne proposons ici qu'un bref aperçu. Dans les années 80, First Contact est le premier volet d'une série nommée La Trilogie Papou et réalisée par Robin Anderson et Bob Connolly. Robin Anderson est formé à la sociologie, puis au cinéma. Bob Connolly, de son côté, est journaliste. Il se rencontre au sein de la chaîne nationale ABC, qu'il quitte pour se lancer dans la réalisation de documentaires indépendants. En 1979, il découvre des entretiens racontant la Papouasie-Nouvelle-Guinée sous administration australienne. Ils sont interpellés par les récits qui racontent les premiers contacts des Ganiga avec des chercheurs d'or. So different to anything that they had ever seen before, because they'd never ever dreamt that anything like us existed. They had no idea of civilization or what existed outside their part of the world. Il rencontre le fils de Michael Leahy, un des colons partis dans la région de Mount Hagen dans les années 30. Celui-ci leur confie les bobines de films 16 mm que son père a tourné à l'époque. Robin rencontre également le frère de Michael, dernier survivant de l'expédition, ainsi que des membres des tribus ayant vécu l'arrivée des Blancs à l'époque. Voici le point de départ d'un film qui décide de raconter l'histoire en confrontant les points de vue des colons à celui des autochtones. We were able to pay the natives well for everything, and that was the main thing in the country, to be able to give them, to barter fairly with them all the time, which was more than fair. But I don't think there was anything in the native way of life, that as far as developing the country or for their own good, that they had anything that was better than what they have now. Grâce aux archives, First Contact fait la chronique de 50 années de lutte pour une société papou autonome. Avec ce film, l'anthropologie devient histoire. Les Maîtres Fous, de Jean Rouch, est un des films exemplaires des débuts du cinéma ethnographique. C'est en tant qu'ingénieur que Jean Rouch découvre l'Afrique. Il assiste à un rituel de possession au début des années 40 et abandonne l'ingénierie civile pour l'ethnographie. Jean Rouch a réalisé près de 170 films au cours de sa carrière, avec l'aide et la complicité d'amis tels que Damouré Zika et Lame Ibrahim Dia, et l'on peut considérer qu'il a contribué à fonder le genre du film ethnographique. Si une grande partie de ses films documente des rituels et des traditions demeurées inaccessibles et invisibles, son œuvre n'a pas la vocation d'être un strict enregistrement du réel. Il y intègre le commentaire, la fiction et la participation des personnes qu'il filme.
et la possession commence. Lentement, par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Sa position de cinéaste blanc en Afrique sera toutefois critiquée, par exemple par le cinéaste sénégalais Ousmane Samben, qui lui reprochait de regarder les Africains comme des insectes. Les maîtres fous montrent des immigrés nigériens venus de la campagne pour travailler en ville, à Accra, au Ghana. Au cours d'un rituel collectif de transe, ils sont possédés par l'esprit Hauka. Ils rejouent les scènes du quotidien, endossant le rôle des colons. Tous les dimanches soirs, ils se livrent à des cérémonies que l'on connaît encore très mal. Ils appellent les dieux nouveaux, les dieux de la ville, les dieux de la technique, les dieux de la force, les Hauka. Le réalisateur rentre à Paris et montre les rushs au Musée de l'Homme. Les spectateurs présents, du cinéaste béninois Paulin Soumanou Viera à l'ethnologue Marcel Griol, s'insurgent contre le film et exigent sa destruction. Les images sont choquantes et difficilement compréhensibles. Il appelle Moukaïla. En réaction, Jean Rouch écrit une voix off avec l'aide de l'un des personnages du film pour accompagner les images. Il appelle son lieutenant et son lieutenant lui fait signe, il dit « Je t'entends, mais je ne suis pas encore arrivé. » Les maîtres fous donnent à voir la folie, la possession, comme un moment du processus d'intériorisation de la domination coloniale. Vittorio De Sette est un cinéaste italien, connu notamment pour une dizaine de courts-métrages qu'il a réalisés en Calabre, en Sicile et en Sardaigne dans les années 50. Ce sont des films en couleur, avec une bande-son enregistrée en direct, qui raconte la vie quotidienne d'un monde rural en train de disparaître. Avec le temps de l'Espadon, il consacre l'intégralité de son film à la pêche et à ce qui l'entoure, de la préparation à la fête qui s'ensuit. Contrairement au Maître fou, dans lequel le commentaire contextualise, explicite et interprète ce que les images donnent à voir, Vittorio De Sette propose un film sans voix off. Pour justifier ce choix, il explique que le sujet du film, ce n'est pas lui qui parle ou qui décrit cette vie, mais la vie elle-même qui s'exprime à travers les chants, les sons, les actions que le film enregistre. C'est un grand classique du film ethnographique comme stricte observation d'une tradition. À partir des années 2000, des films ethnographiques se rapprochent du cinéma expérimental. À Harvard, le cinéaste et anthropologue Lucien Castan-Taylor a fondé le Sensory Ethnography Lab, que l'on pourrait traduire par laboratoire d'ethnographie sensorielle. Pour lui, il s'agit de reconnaître que le cinéma est d'abord un médium sensoriel. Le film doit restituer une expérience complexe du monde, qui n'est pas uniquement anthropocentrée et rationnelle. En 2013, Lucien Castan-Taylor réalise avec Verena Paravel le film Léviathan. Entièrement tourné sur un bateau de pêche en haute mer, il se rapproche en cela des thématiques emblématiques du cinéma ethnographique. Le film a été réalisé grâce à une dizaine de GoPro fixées à la coque du bateau, aux cordes, aux mâts ou au corps des pêcheurs. Une manière de les impliquer dans une forme d'anthropologie partagée, selon l'expression de Jean Rouch. Le film cherche ainsi à adopter les points de vue humains et non humains et restitue de manière extrêmement physique le mélange de beauté et d'horreur des campagnes de pêche. Le cinéma ethnographique est une forme qui ne rentre dans aucun cadre ni aucune définition stricte. Tout comme la discipline dont il tire son nom, il s'intéresse aux pratiques des sociétés humaines. À l'image du cinéma documentaire, il soulève cette question centrale. Un film est-il simplement l'enregistrement objectif du réel, ou est-il la trace d'un regard posé sur le monde ?